Qu'est-ce que fait Notre-Dame cette semaine, Patrice? Elle a fait des beaucoup affaires. De cochonneries. Ouais. Alors là, les services secrets américains, les services d'enquête du FBI, les autorités américaines sont en train de le pointer du doigt avec une possible, je le dis bien, possible possibilité de collusion avec la Russie. Semble-t-il qu'il échange régulièrement avec Mr. Poutine depuis 2022. Et il s'est même fait demander de faire une faveur à Xi Jinping, qui est le président chinois, en empêchant de... En fait, il s'est fait demander de mettre à off les satellites de Starlink au-dessus de Taïwan, ce qui supposément, il aurait refusé de le faire. C'est quand même déjà pas pire. Okay. Mais je pense pas qu'il a fait ça par valeur. Là. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il allait perdre du cash et que ça, il tentait pas de perdre du cash, là. Mais ça commence à faire pas mal de nouvelles concernant Elon. Donc, ça va être à surveiller dans les prochains jours. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? En période d'élection, il ne faut pas tout croire. Il ne faut pas non plus tout donner. Fait qu'on va voir. Peut-être qu'il... Moi, je crois qu'il a peut-être des petites bébites à cacher. Ouais, effectivement. Prochaine nouvelle, Patrice. Il se fait taper ses doigts aussi d'un autre point de vue. Je ne sais pas si tu es au courant, mais notre cher Elon a eu la brillante idée d'organiser une loterie pour payer le monde pour qu'elle vote. Mais tu peux pas faire ça aux États-Unis, Patrice. C'est interdit, tu comprends? Fait que lui, l'idée de génie qu'il a faite, c'est pas lui qui fait ça. C'est une compagnie qui est pas à lui, mais tu comprends? Et c'est pas pour aller voter. Il a fait un sondage. Êtes-vous d'accord avec les deux premiers amendement de la Constitution. Donc, tu sais, voulez-vous appuyer les... Ben, tu sais, il n'y a pas un Américain qui va te dire non. Ben non, c'est ça. C'est comme la base, là, ils vont tout le monde. Puis si tu appuies le sondage et que tu prouves que tu es un voteur officiel enregistré pour pouvoir avoir le droit de vote, je te mets un billet pour le tirage. Ah oui, oui. Tu comprends? Fait que là, il y a du monde qui commence à se dire « Ouais, je suis pas sûr qu'il peut faire ça. » Non. Ça risque de... Fait que là, bizarrement, depuis deux jours, la loterie n'existe plus. OK. Elle est suspendue. Évidemment, monsieur est complètement tranquille avec ça. Il n'y a pas de crainte. Puis le fait que la loterie ait été arrêtée, ça n'a pas de lien. Fait que ça va être à suivre. C'était la chronique Elon. Thank you.